Je reconnais maintenant M. le député de Vanier pour sa déclaration. Merci, M. le Président. Je souligne par cette déclaration l'engagement politique du doyen du Conseil de ville de Québec, M. Gérald Poirier. Il accomplit présentement un sixième mandat comme conseiller municipal de Duberger-les-Saules et ses victoires électorales à 6 reprises depuis 1989 témoignent bien de l'attachement des citoyens pour M. Poirier. Outre ses qualités d'homme politique aguerri, il y a chez Gérald Poirier un naturel, une généreuse bonhomie et un sens de l'humour toujours en éveil qui éclaire notre journée. J'ai connu Gérald quand j'étais conseiller municipal à la Ville de Québec et je le croise toujours dans mes activités de député. Je remarque toujours chez lui son dévouement et son énergie pour servir les citoyens de la Ville de Québec. Permettez-moi de souligner également l'exemple de détermination de M. Poirier qui a failli perdre l'usage de la vue à cause d'une grave maladie. Il a continué malgré tout ses activités sans relâche, en plus de militer activement pour l'achat d'équipements spécialisés à l'hôpital du Saint-Sacrement. Sur une note plus personnelle, permettez-moi enfin de remercier Gérald, qui a été pour moi un mentor politique, malgré le fait que nous ayons été des adversaires. C'est lui qui m'a pris sous son aile à mon arrivée en politique municipale. Et comme député aujourd'hui, c'est encore le modèle Gérald Poirier que j'applique. Alors, pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes, merci Gérald Poirier, qui est avec nous aujourd'hui. Ah, merci à vous, Monsieur le député de Vanier.